Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc je sais que ma famille est bruyante et je vous préviens d'avance, ça se peut qu'il y ait des bruits, genre une musique, pas une musique, mais genre des bruits ambiants durant la vidéo. Mais c'est juste que ma famille est vraiment bruyante et comme je peux rien y faire, genre je peux vraiment rien y faire, ils sont bruyants. Je leur ai dit de fermer leur gueule, mais ils continuent à parler, donc je peux rien faire. Rendu là. Donc, comme vous pouvez voir, il y a quelques petits changements. Donc déjà, j'ai des broches. Donc pour ceux qui n'ont pas vu mon vlog, j'ai des broches et je me suis coupé les cheveux. Et j'adore, bah comme ma coupe est correcte, je veux dire, c'est une coupe normale, elle est bien. Mais comme j'aime pas mes oreilles, je trouve que mes oreilles gâchent tout. Comme mes oreilles sont vraiment décollées et je sais pas quoi faire. Comme je pense qu'il y a des chirurgies où tu peux replacer tes oreilles, genre comme ça. Parce que là, je les trouve vraiment moches. J'aime pas mes oreilles décollées. Je trouve ça laid. Et comme quand j'avais les cheveux un peu plus longs, c'était un peu moins visible. Mais là, puisqu'ils sont courts, c'est beaucoup plus apparent. Donc, c'est ce qui est chiant. Présentement, je suis en pyjama. C'est genre un pyjama de je ne sais pas quoi, mais c'est un pyjama. Et je porte une couverture rouge vraiment cosy, vraiment confortable. Donc, je vais vous parler d'un sujet quand même assez important. Je vais vous parler du sport. Ok, donc les cours d'éducation physique, je vais commencer par ça. Les cours d'éducation physique sont obligatoires et on est obligé de faire du sport. Moi, c'est 2 fois par 9 jours. Donc, j'ai environ un cours d'éduc par semaine et je trouve que c'est beaucoup trop parce qu'en fait, le sport, c'est mauvais pour la santé. Et je vous explique mon raisonnement. En fait, vous entendez ma mère, elle est fucking bruyante. Donc, en fait, il y a genre les animaux, comme par exemple le lion. Quand le lion court pour aller tuer une proie, il fait un sprint. Et après, dès qu'il tue la proie, il arrête de courir. Mais comme le gouvernement s'attend à ce que les élèves soient capables de genre courir pendant des heures et des heures et des heures sans s'arrêter. Et ça, c'est mauvais pour la santé. Parce qu'un lion, ça ne court pas pendant des heures, ça court pendant comme 2 minutes, ça attrape sa proie et après, ça dort pendant genre 2 semaines. C'est horrible. Comme le sport, c'est mauvais pour la santé parce que c'est trop intense et c'est genre un effort physique. Sans parler du fait que le gouvernement ne tient pas compte des personnes, des gens. Ah, on voit mon pyjama. Sans tenir compte du fait que le gouvernement ne tient pas compte des élèves qui sont très, très, très minces ou qui sont maigres ou qui sont trop gros même. Tu sais, quand t'es trop gros ou trop mince, t'es pas capable de courir. Genre, c'est beaucoup trop difficile. Comme t'as pas l'énergie. Quand t'es gros, c'est beaucoup trop lourd. Tu sais, ton gras, il pèse trop. Et quand t'es trop mince, ben, tes os sont pas capables de soutenir ton corps parce que t'es fucking trop mince. Donc, en gros, c'est ça. Je trouve que le gouvernement généralise un peu tout le monde. Et c'est chiant parce que ça place tout le monde dans le même panier. Et genre, les cours d'éducation physique, c'est pareil pour tout le monde. Le sport en général, c'est pareil pour tout le monde. Moi, je suis pour les cours d'éduc. Tu sais, un cours d'éduc où on apprend les parties du corps, ou bien on apprend des régimes alimentaires santé. Ça, c'est un cours d'éduc passionnant. Mais un cours d'éduc où on doit courir et faire du hockey cosum, ça, je trouve que c'est abusé. Parce que le sport, ça nuit à la santé. La santé, c'est primordial. Et quand tu fais du sport, tu fais juste la détériorer. Il y a des gens qui disent que le sport, c'est bon pour la santé. Vous imaginez? Il y a des gens qui disent que ça active le cœur et je ne sais pas quoi. C'est fucking faux. C'est faux. Le sport, ça nuit à ta santé. Ça nuit tellement. Ça fatigue tes os. Ça fait genre de l'érosion sur tes os parce que tu cours constamment. Donc, ça vient éroder tes os. Genre, c'est mauvais pour ta santé. C'est mauvais, tout court. Et les gens, ils croient que c'est bon pour la santé. Et genre, le gouvernement nous l'impose. Je trouve juste que c'est vraiment inacceptable. Il faut que les gens comprennent que le sport, c'est horriblement mauvais et qu'il faut cesser d'en faire tout court. Donc, c'était tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. C'était juste un petit message. C'était comme une prévention. Arrêtez de faire du sport. Ça nuit à la santé. Vaut mieux rester chez soi, rester assis et ne rien faire que faire du sport parce que c'est fucking mauvais pour votre santé. Sur ce, j'espère que vous allez écouter mes conseils. Et merci d'avoir écouté la vidéo. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.